Écrivons maintenant des méthodes utilitaires, par exemple une méthode qui va calculer le maximum entre deux nombres ou entre trois nombres. Alors pour ça, je vais créer une classe que je vais appeler maximum, euh, maximum qui va être toujours dans mon même package comme d'habitude. Et euh, mon but, ça va être de pouvoir, dans ma méthode main, afficher le maximum entre deux nombres, par exemple entre 10 et 6. Et vous voyez que tel quel, NetBeans me dit bah non, euh, max, ça n'existe pas. Et donc on va l'écrire. Donc écrivons cette méthode max. Euh, donc c'est une méthode qui sera statique, que je peux déclarer publique si je veux, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Et elle va euh, recevoir deux nombres et retourner le plus grand des deux. Alors les nombres que je vais recevoir, je vais considérer que ce sont des entiers. Et donc le plus grand des deux sera forcément un entier. Donc j'écris ici entier et j'appelle ma méthode max, et je reçois donc deux nombres. Il y en a un qui s'appelle A, l'autre qui s'appelle B, par exemple, peu importe. Ensuite, je dois décider lequel des deux est le plus grand, et là, il y a plusieurs manières pour le faire. Le plus simple, c'est probablement d'écrire if. Alors, si A est plus grand que B, dans ce cas-là, je retourne A. Sinon, je retourne B. Donc ça, c'est une chose de faite. Maintenant, vérifions si ça fonctionne déjà. Je fais un Shift F6. Effectivement, ça m'a retourné 10, donc c'est correct. Alors, n'oubliez pas de faire un petit Alt-Shift-F pour euh, avoir les accolades bien en place. Et remarquez que ici, j'ai deux returns. Si A est plus grand que B, je fais return. Sinon, je fais return. Et je ne return pas la même chose, évidemment. Alors, commençons par la première question c'est qu'est-ce qui se passe si jamais A est égal à B Et Bien, si A est égal à B, alors la première condition, la condition qui est ici, est fausse évidemment, a n'est pas strictement plus grand que b s'ils si sont égaux, et du coup on arrive dans le else, et donc c'est b qui va être retourné. Mais comme b est égal à a, et bien en fait peu importe, puisque a est égal à b, que je fasse return b ou return a, ça n'a pas d'importance. Ici il faut absolument bien comprendre que ce qui est important, c'est pas le nom de la variable qu'on return, c'est le contenu, c'est-à-dire sa valeur. Dans ce cas-ci, le b il vaut 6, puisque j'ai donné 6 en paramètre. Et donc, le B vaut 6 et le A vaut 10. Et donc, quand je return A, je retourne 10. Voilà. Donc, si j'écris par exemple un euh, max 7, 7, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que A vaudra 7, B vaudra 7, A n'est pas, euh, pas strictement plus grand que B, et donc j'ai un return de 7. Et donc, c'est bien la valeur 7 qui va s'afficher à l'écran, qui s'affichera à l'écran parce que j'ai un système out println. À cet endroit-ci. OK, deuxième point intéressant, c'est que le nom que j'ai donné ici, j'appelle cette variable là, je l'appelle A, eh bien, il n'a de sens que au sein de la méthode max. Si ici au-dessus, j'ai un int A égale 42 par exemple, et que après j'affiche la valeur de A, eh bien, c'est 42 qui va s'afficher. Pourquoi Parce que le A qui est ici en ligne 15 qui est le même que le a qui se trouve en ligne 17, ce n'est pas le même que, ce, que, enfin, que le a qui se trouve entre lignes 20 et 26. Donc ce n'est pas la même variable. On dit que les variables en Java ont une portée lexicale. Peu importe le, le, le nom, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le a qui est défini dans la méthode main ici, il n'existe que dans cette méthode main. Et quand je fais appel à une méthode max, même s'il y a un A qui est défini dedans, ici dedans, eh bien, ce n'est pas le même A. D'ailleurs, je peux changer le nom du A qui se trouve dans la méthode max indépendamment de A qui se trouve ici au-dessus. Par exemple, si le A qui se trouve là, je décide de l'appeler par exemple NB2, eh bien, ici, vous voyez, je le change dans l'entête de la méthode, je le change dans la condition, je le change dans le return, mais euh, c'est bien juste cette variable là. Donc cette variable là nb2, 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 c'est la même, mais elle n'a rien à voir avec la méthode, avec la variable a qui se trouve ici au-dessus. Okay? Même si je reviens à a et que je lance, c'est bien 7 et puis 42 qui s'affichent. Okay. Donc si j'affiche ici, pour être aussi clair que possible, si je fais un affichage de la valeur de a ici, donc normalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben je vais d'abord appeler max16. Et quand j'appelle max 10, 6, ma A vaut 10, donc j'ai un affichage de 10. Et puis j'ai un affichage du maximum entre 10 et 6, c'est-à-dire 10, encore une fois. Et puis je vais afficher max 7, 7, donc a vaudra 7, donc il y a un A, il y a un 7 qui va s'afficher. Et puis j'ai un affichage du maximum entre 7 et 7, c'est encore une fois 7. Et puis j'ai encore un affichage de A, et ça cette fois-ci, il vaut 42. Et donc. Euh, normalement j'aurais 10, 10, 7, 7, 42 qui s'affichent, on peut tenter, et effectivement 10, 10, 7, 7, 42 qui s'affichent, parfait. Je crois que c'est important pour vous de jouer un petit peu avec euh, ces notions-là, de chipoter, de voir quest ce qui se passe, tiens, si lui je l'appelle B, qu'est-ce qui se passe ben, Je vois que B ici n'est pas défini, et pourquoi ben Parce qu'en fait cette variable qui s'appelait A, c'était celle qui se trouvait là, donc si je change en B ici en dessous, ben, il faut changer en B ici au-dessus. Voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles on peut, on peut jouer pour essayer de comprendre vraiment comment fonctionnent ces variables en Java. Alors un autre point intéressant avec cette méthode max, c'est vous voyez j'ai donc deux returns. Alors j'ai un return dans le if, laissez-moi d'abord peut-être juste enlever ce système mode println qui nous embête. Euh, donc j'ai un, un return dans la condition vraie du if et un return dans la condition fausse du if. Alors imaginons que j'enlève le else. Voilà, ça donne ce code-ci. Donc si A est plus grand que B, je retourne A. Et puis après, je retourne B. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, essayons. Alors, je vais enlever peut-être euh, voilà, tous les trucs dont je n'ai pas besoin. Donc je fais juste le, le maximum entre 10 et 6. Et si A est plus grand que B, je retourne A. Sinon, je retourne B. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer Je vous invite à y réfléchir et on va lancer ça. Et vous voyez que c'est 10 qui s'affiche. Ok. Alors pourquoi Eh bien, il se passe que... Quand max10,6 est appelé à cet endroit-ci, hein, juste avant d'essayer d'afficher quoi que ce soit, on appelle d'abord max10,6 pour calculer le maximum entre les deux. Et euh, bah, entre 10 et 6, 10 est strictement plus grand que 6. Donc j'ai un return de 10 qui apparaît ici. Et il se fait que le return, c'est une instruction très spécifique qui stoppe complètement la méthode. Donc le return, il dit j'ai terminé de calculer le maximum, voilà la réponse, on s'arrête. Et en particulier, quand je fais un return ici, eh bien le return qui est après n'est jamais exécuté. Pour montrer vraiment euh, euh, cette, ce principe-là, je vais ici euh, écrire, je sais pas moi, euh, you. Et étant donné que je fais un max entre 10 et 6, je vais avoir un return de 10 à cet endroit-ci, et donc le système de println ne va pas être exécuté. Donc je n'aurai pas youhoo qui va s'afficher. Donc si je fais Shift F6 pour, pour lancer, j'ai effectivement pas de youhoo qui s'affiche. Par contre, si j'inverse, si je mets 6 et 10, à ce moment-là, la condition ici devient fausse, et du coup je vais afficher youhoo, et puis après je vais retourner B qui vaudra 10. Donc on va lancer ça, et effectivement j'ai youhoo qui s'affiche. Ok, donc évidemment je vais enlever ce système youhou qui ne me sert absolument à rien, mais donc c'est simplement pour illustrer le fait que le return stoppe complètement l'exécution de la méthode, la méthode s'arrête dès qu'il y a un return. Alors pour conclure avec cette méthode max à deux paramètres, j'aimerais encore mentionner simplement, si vous avez vu cet opérateur, ce qu'on appelle l'opérateur ternaire, c'est un opérateur qui a une valeur différente en fonction d'une condition. D'habitude un opérateur, c'est par exemple plus ou fois, Eh bien on lui donne... Par exemple, deux nombres, et on a le résultat en valeur. Hein? 5 x 2, ça fait 10. 10 x 3, ça fait 30. Ici, l'opérateur ternaire, il a cette forme-ci. Euh, il prend la forme condition, point d'interrogation, euh, valeur si vrai, deux points, valeur si faux. Okay? Ça, c'est l'opérateur ternaire. Alors, cet opérateur ternaire, euh, eh bien, je peux l'utiliser dans ce cas-ci. Puisque j'ai une condition qui est A plus grand que B, j'aimerais bien que la valeur, ça soit A quand c'est vrai, et que ce soit B quand c'est faux. Et donc, je peux simplement faire ceci. A plus grand que B, si ça c'est vrai, je retourne A, sinon, je retourne B. Et alors, attention, ceci c'est simplement la valeur. Si je veux faire un return, je dois simplement écrire return devant. Et comme ça, je peux effacer tout ce qui suit. Et donc, voilà ma méthode max. Euh, devient euh, ceci. Les parenthèses, je crois, ne sont même pas obligatoires. En général, je les mets pour, euh, pour la clarté. Mais donc, ceci fonctionne encore évidemment très très bien et donne toujours la bonne réponse. Alors, pour conclure euh, cette petite euh, présentation, euh, essayons d'écrire une méthode max mais qui prendrait trois nombres. Alors, pour la distinguer de la précédente, je vais l'appeler max3 pour dire c'est un max entre trois nombres. Et donc, ça prend trois nombres A, B et C. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour calculer le maximum entre trois nombres eh bien, On pourrait se poser des questions. Est-ce que A est plus grand que B Si oui, est-ce que A est plus grand que C Sinon, est-ce que B est plus grand que C Etc. On pourrait se poser ce genre de questions. Mais sinon, il y a une technique beaucoup plus simple qui est de dire bah, le maximum entre A, B, C, bah, je vais regarder le maximum, entre, le maximum entre A et B. Et celui-là qui est le plus grand des deux, bah, je vais le comparer par rapport à C. En d'autres termes, je vais faire un return du maximum entre A, B. Et euh, ce maximum-là, je vais le comparer à C, et je vais comme ça avoir un return max de max AB et de C. Okay? Donc voilà une, une technique pour euh, obtenir le maximum de trois nombres. Et si je l'essaye, voilà, je vais mettre max 3, et je vais utiliser par exemple 42. Eh bien, si, en, le maximum entre 6, 10 et 42, ben, évidemment, c'est 42. Donc normalement, c'est 42 qui s'affiche. Et effectivement. Okay. Donc voilà pour le maximum entre 3 nombres. Remarquez je l'ai appelé max3. J'étais même pas obligé. Il se fait qu'en Java, il y a euh, un, un principe qui est que euh, si deux méthodes ont des nombres de paramètres différents, une signature différente en termes de nombre de paramètres ou euh, de type des paramètres, et eh bien Java peut décider quelle est la bonne méthode à appeler. Alors je vais tout de suite vous montrer ce qui se passe. Si j'enlève le 3 ici, vous voyez que euh, le seul problème, c'est que là, j'avais appelé max3, donc j'ai enlevé le 3 qui est là aussi. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Euh, Java euh, trouve effectivement euh, que c'est cette méthode-là qui doit appeler, et pas celle-là. Effectivement, là, là, la première des deux n'accepte que deux paramètres, donc Java se doute bien que c'est l'autre qu'il faut utiliser. Par contre, si j'essaie de rajouter un quatrième paramètre dans mon appel, là, j'ai un problème. Si j'essaie de mettre les quatre paramètres, il me dit, ah, il n'y a pas de méthode applicable. Qui prend 4 entiers et qui calcule le maximum. Donc ça, ça ne marche pas. Ok, donc il faut vraiment que la méthode existe, mais si elle existe, Java va la trouver. Donc ici vous remarquez que ce n'est pas nécessaire d'avoir des noms euh, différents. Cependant, c'est peut-être bien, en tout cas au début, euh, de donner des noms différents pour être sûr de ne pas se tromper. Donc par exemple, ici je pourrais remettre max3. Voilà, comme ça. Euh, J'ai clairement une méthode max3 et l'autre, je pourrais même l'appeler max2. Là, comme ça, j'ai. Oups, pardon. Les max 2, comme ça. Et comme ça, je suis sûr que euh, je, je sais bien distinguer les deux. Parce que en Java, ça marche bien. Attention, si vous êtes sur papier, en cours théorique, donnez vraiment des noms différents à vos méthodes. Sinon, ce n'est pas hyper lisible.